Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de notre incroyable aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order. Équipez-vous et installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver pour une bonne demi-heure ensemble. À tout de suite tout le monde. Et il est fortement conseillé de lâcher ton petit like évidemment, de penser à activer la cloche au moment de l'abonnement pour ne louper aucune vidéo, et de lâcher ton plus beau commentaire pour me donner ton ressenti. Je te souhaite de passer un agréable moment. Allez, re tout le monde, on reprend exactement là où nous nous étions arrêtés. On avait récupéré, souvenez-vous, des gants qui nous permettaient de monter ce genre de texture juste en face. Et on vient de par là, me semble-t-il, de cette tête de mort. Et non, on vient de par là. Je ne sais plus par où on vient, mais c'est terrible, attendez. Attendez, mais c'est totalement terrible, je me souviens plus. Je me souviens plus, et on avait affronté une très grosse bestiole qui nous avait demandé pas mal de temps pour le coup, et elle a disparu malheureusement. Donc c'est parti, je crois qu'il faut aller par ici. À mon avis, ils nous ont mis dans le sens de lecture, si je peux me permettre cette petite expression. Allons, on y va. Ouh, oh, Sukhoi. Ok, très bien. Donc, bah il est revenu. Il est revenu. Ok, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Ok, je sais pas quoi faire, je comprends pas. Attends, ah ouais, mais... Ok. Ok. Très embêtant, ça, très embêtant. Si j'arrive pas au bout, bah alors... Quoi? Ma vie est nulle! Mais non! C'était la minute la plus rapide et la plus efficace depuis le début de ce let's play. Eh ben, nous sommes repartis, c'est pas bien grave. J'ai pas bien compris ce que j'ai pris. D'accord? Mais bon, hé, on va pas se plaindre. Allez, on est reparti. On n'a pas le temps pour ces conneries. Mais attends, mais les gars, comment ça se fait que je me suis fait arracher comme ça? Je suis tombé pour rien. Ok, bon bah je suppose qu'il faut esquiver ses petites pattes. Là, le caillou qui tombe, les gars, on comprend rien à ce qui se passe, putain. Ok. Ok, bon d'accord, je trace hein, les gars, je comprends pas trop ce qui se passe. Attends, c'est moi où il m'a rattrapé? C'est quoi ces conneries? On est exactement au même point que la dernière fois, mais c'est terrible! Enfin, la dernière fois, j'en parle comme si c'était il y a plusieurs jours, mais c'était il y a deux secondes. On va mourir! Bah oui, en fait, on va totalement mourir. Adieu, vie de mort. Gorgara, lâche-moi! Il est énorme. Ok, ma vie est nulle. Laissez-moi tranquille. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que je vais devoir atterrir sur lui. Mon frérot, je vais te doser. Hein. Quoi? Non, les gars, vous êtes de ma gueule ou quoi? Ok, d'accord. On va aller sur son crâne. Ça va swinguer. Ok, j'ai rien pu faire. Beaucoup trop chaud. Ok, on est reparti. T'es où, mon coquin? Allez, viens par ici. Viens par ici, je vais te doser. Ah d'accord. Alors il y a un truc que je piche pas là. D'accord, ok les gars, faut. Alors bah, c'est des calculs hein. C'est tout de suite très vite et des calculs. Non mais c'est pas vrai putain. Attendez, la perspective je l'ai pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, hé les gars, je suis à deux doigts de me battre en fait, d'accord. C'est pas vrai. Gorgora, je vais m'énerver. Ah ouais, faut vraiment que j'aille vers lui. Très bien. Ok, on est reparti. Désolé. Il a fallu s'y prendre plus d'une fois. En fait, c'est un hibou géant. C'est gentil, les hiboux. Bon, avec des aides de chauve-souris, on est d'accord. Encore le coronavirus qui frappe au mauvais endroit. Oh non, faut leur réatterrir dessus ou quoi? Ok, ma vie est nulle. Je sais pas comment on va faire pour descendre. C'est très haut. C'est reparti. Ok, je te fais confiance. Eh ben écoutez, c'est reparti. Allez, on y va, on n'oublie pas le like. Et on n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours plaisir.
Et on atterrit à côté, olé olé. Quoi? Quoi? Mais attendez! Eh bien, c'est quoi ces conneries? Voilà, c'est... Je vais me battre. Ok. Littéralement là, on le lâche pas le gars. On veut sa mort, hein, vraiment. Ok, repère sa vie, ça fait plaisir. En fait, il va retrouver la vie qu'on lui avait laissée. Voilà pourquoi toute cette cutscene, si je puis me permettre. Très belle cutscene. Qu'est-ce qu'il y a? Frérot? Crise cardiaque, ça arrive? Ok, on est retourné dans une arène. Ça va swinguer. C'est entre toi et moi, l'oiseau. Ah bah regardez, tout l'XP. Oh, c'est boy. J'aurais pu avoir un petit peu plus d'XP, mon frère, les gars. Et encore. Et scanne-moi ça. Ouais, je vais très bien. Mais cette créature n'a pas eu autant de chance. Gorgara, vaincu. Si j'avais su, bah j'aurais continué l'épisode quelques minutes supplémentaires la dernière fois. Eh ben écoutez, eh, nickel, il m'a redéposé le frérot. Ça c'est un bel oiseau, ça. C'est un très bel oiseau. Bon, écoutez, là je reconnais toutes tes critiques pour le coup. La chute de Gorgara. Je sais plus par où il faut aller. On a un point de save par où? Bon, attendez. Les gars, quand on se pose des questions, au lieu de s'en poser, réfléchissons. Ah, on a une porte jamais prise. Très bien. Très, très bien. Très intéressant. Ouais, laissez-moi faire des zooms. Ok, très bien. Ok. Ok. Alors, si je ne m'abuse... Hop. Voilà. Ici, on fait des cascades. C'est par ici. C'est vraiment si je ne m'abuse. Voilà. Ensuite, on va remonter là. Oh. Ok. Très bien. Excusez-moi, ce n'était pas prévu. Alors, quand je vous dis on va remonter là. Voilà. Ok, ça dégage. Oh, t'es cocasse toi, hein. Ah bah les gars, allez hein, allez, ouais. Vous êtes combien les gars? Ok. Je me sens faible. Allez, ça dégage. Bon, ça c'est fait. On va même pouvoir totalement save en fait. On va même pouvoir totalement save et peut-être aller de l'autre côté. Je suis pas sûr d'avoir été sur le bon chemin, mais au moins, hey, on a save, c'est pas bien grave. Ça me tracasse un peu, attendez, je crois que je me suis trompé de direction. Ça commence à me casser les cacahuètes. Bougez pas. Et n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ah non, c'est totalement potentiellement la bonne direction. C'est totalement la bonne direction, attendez. Il y a toujours ce carré qui apparaît là. Je ne sais pour quelle raison. Ok. Ah. Là-haut, vous croyez? Très bien. Ça a l'air pas mal, ça, c'est très bien trouvé. On se lâche très vite. Je peux pas ouvrir? Non, dommage. En même temps, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour savoir si on pouvait vraiment ouvrir ou non. Très bien, on continue. Ah! Ok. Très très bien. Alors, on va directement. Est-ce que ça vaut le coup de me recadrer en haut pour le coup? Ouais, ouais, ça a l'air totalement d'être là-haut. Let's go. J'ai failli aller à côté quand même. Ça, c'était incroyable et cocasse. Ok, super. Et là, personne pour nous embêter. On gère plutôt bien. Je pensais. Alors, faut savoir que les level designers, ils se sont. Voilà, ils se sont démontés le crâne pour nous proposer des maps qui démontent le crâne aussi. Le jeu est pour le coup pas très évident. Les maps sont très bien construites. Là-dessus, pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que c'est parfois un sacré casse-tête. Donc là, on est revenu exactement là où on aurait dû être déjà dès le début. Et oh là là, ça c'est très bon. Régale-moi. La force. Voilà, niveau de force maximum augmenté. Certaines pour guérir. D'autres pour tuer. En vrai, j'ai pas envie de faire le gars, mais je pense que niveau Let's Play Jedi Fallen Order, on est extrêmement bien pour le coup, avec un beau coffre à la clé. On est vraiment bien. J'ai regardé, zioté des gens qui étaient à peu près au même point que moi, d'autres youtubeurs, et ils avaient que genre 2 ou 3 Steam en bas à gauche quand j'en ai 5. Donc, hé,
clairement, c'est plutôt pas trop dégueu. On va pas se plaindre. Est-ce que je peux descendre? Non, de toute évidence, on ne peut pas descendre. Est-ce que je peux utiliser ces instruments de torture pour mes plaisirs à la maison? On va éviter. Ok, allez, on est parti. C'est par ici. Non, pas du tout. Bien joué la feinte. Fallait le faire. Ah, fallait oser, ils l'ont fait. Ok. Tsugoi, c'est par là, non? Si je tente le coup de Trafalgar. Dommage. Ok, c'est totalement en face. Totalement par là. Ok. Pression de faire de la merde. Bah écoutez, ma foi. Ma foi, pourquoi pas. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît totalement bizarre. Regardez cette bouche, une belle bouche hein, en plus. Non, on a fait ça pour un coffre en fait. Ok, c'est très embêtant ce qui vient de se passer là, dites voir. Bah ouais. Et faut que je retourne où? À l'autre bout du monde? Incroyable. Et ça m'embête. Eh bien écoutez, on s'arrête là et on se retrouve directement à notre objectif. Quoique là, regardez. Oh oui. Allez, on a trouvé la porte que t'es pas très loin finalement. Et là, je peux vous dire que littéralement, ça swing. Ok. On les laisse se battre un petit peu. Hein. Si je peux glisser ça. T'as aucun véritable pouvoir. Wow! Ok, pas mal. Ok, c'est pas mal du tout parce que je prends vraiment ma race. Ok, on va passer en un seul sabre. Vas-y, hein, mettez-moi ma race profitez-en. Ok. Allez, dégage. Ok. Voilà. Hop, ça dégage. Arrêtez! Arrêtez de me taper! Ok, toi t'as pris. Aidez-moi! Mes frères, aidez-moi. T'es tout seul là maintenant, hein. Allez. Allez. Les gars, j'ai pas bougé de place, ok. Ça veut plus se battre? On perd tout de suite tous ces moyens là-dedans. Bon! Bah écoutez, s'ils veulent plus se battre, c'est pas grave, on va pas insister. Avec moi. On est là, t'inquiète pas, tous ensemble avec Emmanuel. Le Jedi est blessé. Toi t'es vraiment un traître. Allez, dégage. Et toi? Ok, dégage aussi. Bon, excusez-moi. Déjà on va regarder la carte. Que nous dit la carte? La carte elle nous dit, lève tes yeux B-Boy. Ok, les yeux sont le... Ah oui, ça va être chiant. On connaît totalement. Ok, c'était très chiant. J'aimerais pas refaire ça toutes les deux secondes. Ah ouais, non mais c'est quoi, attendez, c'est une épreuve ou quoi là que je fais là? Ça va swinguer à chaque... Attendez, on est où là? Quel est ce cauchemar? Ouais, je reconnais ça. Ah ouais, je reconnais même un peu trop bien. Ok, on a une porte à gauche. C'est le pont qui mène au village. Je ne pense pas qu'ils s'attendent à nous revoir. Mais il y a sûrement un passage plus discret. C'est le pont qui mène au village. Et ben on va passer par le seul endroit. Voilà. Où je n'avais pas les gants auparavant. Très bien ça. Très très bien. Je ne suis pas peu fier. Ok. Pour être franc, je ne savais pas que c'était là quand j'ai abaissé le pont. Je voulais seulement voir ce qui se passerait. Comme toi avec la découpeuse sur Kashyyyk. Ok. Quelqu'un là-dedans? On sait jamais. On sait jamais entendre des choses. Ouais. On a quelque chose ici, on a quelque chose ici. Et on a quelque chose ici, donc on va aller là. Parce qu'il y a un coffre, évidemment. Ça, c'est bon. Toujours observer autour de soi. Et bien sûr qu'il veut voir. Allez, régale-moi. Qu'est-ce qu'on a là? Nouveau matériau. Sugoi. Un poncho des Kubas. Il y a déjà eu trop de morts. Il est trop dangereux. Bonne compétence obtenue. Très, très bien. Non. Emmenons-le à frère Viscus.
Très bien. Bon, eh bien, nous sommes repartis. Alors, on va prendre ce chemin-là. Ça va être très très bien. J'ai confiance. Tout va bien se passer. Bonjour, messieurs, dames. Il y a peut-être... Oh. Bien sûr qu'il y a quelque chose derrière. Oui, voyons voir ça. Et ben voilà, nouveau matériau pour sabre laser. Dolovite. Très très bien. J'aimerais bien une nouvelle couleur, les amis, s'il vous plaît. Ok, il faut passer par là. Nouvelle couleur, ça ferait plaisir. Quoique la couleur orange, j'adore. J'adore. C'était pour les gens qui avaient précommandé. Mais tous ceux qui ont Star Wars, vous pouvez lancer votre jeu. Maintenant, on l'a tous. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Toujours tourner la caméra. Parce que les développeurs sont assez malins pour y cacher des petites subtilités. Ok, on va passer comme ça. Un peu plus agréable. Voilà. Mais attendez, mais ça va nous emmener exactement où on avait besoin d'aller, cette connerie, non? Bougez pas. Bougez pas, on va save. Je crois qu'on est exactement dans le village. Là où fallait aller, c'est incroyable. Et j'ai un point de compétence. Là, c'est direction le lancer de sabre laser. J'avais vraiment besoin de... De la compétence que j'avais prise juste avant. Très bien. On va passer par ici. Ok, il y a du monde là-dedans. Ça swing. Ça swing totalement. Regardez, attendez. En vrai, sommes-nous obligés? C'est un bordel, putain. Je vais à des endroits, je sais même pas où c'est, en fait. Tellement loin du reste de... Terrible. C'est terrible. Ok. Tuez-le, mes frères! Ok. On dégage. Tu ne peux pas gagner, étranger. Tes coups sont faibles. Ok, ça dégage. Voilà, ça dégage. Ok. Oh là là, le monstre. Ok. Putain, salopard. Ok. Trois à la hauteur. Allez. Attention, mes frères. Prudence. Ok. Ça dégage, je sabre tout le monde, j'en ai plus rien à péter. Rien contre notre puissance. BD, Steam. Ok. Ne le laissez pas. Mais je suis Keblo, mais non, mais sérieux, quoi. Oh, dégage. Casse les couilles, toi. Tu casses les couilles, toi. Avant de m'atteindre. Tu casses les couilles. Cassez tous les couilles là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça swing ou quoi ici? Allez, viens. Ah, mais abruti, putain. T'es vraiment abruti, même là, hein, c'est pas possible. Hein. Allez. Allez, dépêche-toi. Allez, voilà. Bon! Pas vrai! On va pas tous se battre! Ok. Faut mettre là-haut, ça? Ça va faire quoi aussi, putain? Ouais. Je sais pas où je l'emmène, j'en ai rien à foutre. Pourtant, c'est que je l'emmène. Ah, dur. Dur. Ok. Et ben, c'est reparti, on remonte les marches, mon frérot. Ah, attendez. Attendez, sur un malentendu, regardez. Bah oui. Mais oui, c'est clair. Ah. Je peux pas remonter les marches? Eh si. Voilà. Oh merde. J'espère pas l'avoir bloqué. Bon! Je pense que c'est là. Hein. Je pense totalement que ce soit là. Ah dommage, presque. Ah putain. Ah, mon seul point faible! Pas vrai. Tu t'amuses bien, BD? C'est là, vous croyez? Oh oui, c'est là. Oui, pour passer au-dessus, très bien.
Très très bien, ok. Bon bah on va fouiller avant vite fait, on sait jamais sur un malentendu. Peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Village de mort là. Ok, il n'y a pas grand chose. C'est pas fou hein ce village. Hein. Totalement pas fou hein. Moyennement validé hein. On s'en sort pas trop mal hein. Steam BD. Ouais, y'a rien. Allez hop, c'est bon, ça m'a gonflé. Leur vie. Oh putain. Ok. Est-ce que par hasard. Faut pas ramener une sorte de boule, quelque chose, je sais pas, à voir. Bon, allez, on va voir. Ok. Bon, jusqu'ici, le plan est bon. Je pense qu'il y a quelque chose à casser de l'autre côté, mais hey, on va voir, on verra ça plus tard. Pas de soucis, là on est sur le bon chemin, c'est le principal. Qu'est-ce que ça fait, Jedi? Eh ben ça fait que t'es mort en fait, c'est tout. Y'a pas. Non, je veux dire, y'a pas grand chose à dire pour le coup. Allez, ouvre-moi ça. Je suis sûr que tu veux aller là-dedans. Putain, autant on se régale, oui. Autant j'ai l'impression voyons d'être ça. Dans une sauce. Oh, par contre, ça c'est plutôt cool, une nouvelle peinture pour le Mantis. J'ai l'impression d'être dans une merde, pas possible. Alors, me sortir de là, s'il vous plaît. Étranger ! Non, ça c'est chiant. Ça, quand tu fais ça, calme, je t'ai déjà dit. Voilà. Ok. Vas-y, envoie, mon bro. Attends, le temps qu'il se remette de ses émotions, peut-être, je sais pas. On va passer ici. T'as pas trouvé grand-chose, attends, bouge pas. C'est bien de me trouver, faut-il encore me tuer? Ok, cet écho, je prends. Parce qu'il est cool! J'en ai assez d'attendre les instructions de la sœur. Nous devons agir et nous occuper de l'intrus. Ah, c'est bon, il s'est remis de ses émotions. Je suis là! Coucou! Bon, allez. Pas l'air déterminé à m'enculer. Ah! Très bien. Reviens te battre! Ah, je suis pas parti, hein. Mais apparemment, toi, t'as des problèmes de vue, en fait. Donc, j'arrive te démonter, là, je crois. Je suis dans la bonne direction. Oh, je suis même dans la très très bonne direction. Les gars, c'est terrible, hein. Tout ce qu'on fait, j'en ai aucune putain d'idée. Montre-moi tes fameux pouvoirs. Oh, bien joué. Il a été monstrueux. Le premier move était monstrueux. Le reste, c'est très vite gâché, mais enfin. On peut quand même l'applaudir, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien, coupé. Ah, d'accord. J'ai pigé. Ok. Et bien voilà, on va faire tomber une caisse pour casser juste en dessous. C'était prévisible. On adore, on apprécie. Ah putain, faut peut-être que j'ai le pouvoir de lancer le sabre. Fallait peut-être que... Ah ouais, je pense qu'il faut... Il me faut le pouvoir pour lancer le sabre en fait. Bien les gars, bien, c'est intelligent ça. Non, tu déconnes. Putain de merde, pardon, excusez-moi. C'est déconnant ça, c'est déconnant. C'est rapide. Oh là là. Non, c'est pas cool. Calme-toi la musique, stop. Calme-toi, il s'est rien passé, gros. Allez, cale, merde. Tu veux faire de ma vie un enfer ou quoi? Putain, c'est terrible. Ah ouais, le chemin. Allez, on est reparti. Non, là, c'est vraiment pas drôle, c'est chiant. Quand je vous dis que des fois, le level design est plutôt cool et des fois, c'est vite un enfer. Allez, c'était par ici. Ok, Sugoi, hein. Par contre la vue, appréciez ça. Belle vue dans ta gueule, à défaut d'avoir un bon gameplay. On adore. Allez, arrête de faire l'abruti, passe. Lève ton putain de pied à 2 cm. Terrible, Cal. Allez, on se casse. Bon, il y avait un raccourci, mais je sais même pas où il mène. En soi... Ouais, remarque, il est à côté, je suis vraiment une salope aussi. Hein. Excusez-moi du peu. Quoique j'ai envie de sauter sur la caisse, en vrai.
Elle est où la caisse? J'ai envie de tenter quelque chose. On tente? Ah putain, elle est là. Ah oui, non, ça va être chaud. Non, non, ça va être beaucoup trop chaud. On peut même pas la tenter, c'est même pas tentable. Il y a du monde pour se casser le cul à faire des maps dans une organisation sale. Mais alors pour être... Eh, de toute façon, attendez, je crois que j'ai juste à monter. En fait, je crois que je pouvais pas, j'ai glissé sur un truc invisible. Oh l'enfer. Cal, tu as trouvé le tombeau? Oui, presque, mais j'ai dû faire un petit détour. Grise a l'air bizarre. Il jure avoir aperçu quelqu'un près du Mantis. Datomir lui brouille l'esprit. Ah bon, il est pas toujours comme ça? Est-ce que ça va? Je n'ai pas de vision, donc... Oui. Je sors d'un village des Frères de la Nuit. J'espère être sur la bonne voie. J'ai l'impression que tu t'en sors bien. Ouais. Et puis, BD est là. Très bien. J'ai peur. Apparemment, il y a embrouille près du Mantis, qui est beaucoup plus bas. Il ferait chier d'y aller. Et mon objectif est très loin. Donc, je pense pas qu'il faut retourner au... qu'il faille retourner près du Mantis. Je pense qu'il faut juste passer par ici. Ok, je me pose pas mal de questions, là. C'est terrible. Les maps sont gigantesques. C'est un labyrinthe géant. Donc je vais à des endroits où j'ai jamais été, j'ai pas ouvert de raccourci, ça me fait un peu flipper, je vous avoue. J'aimerais bien pouvoir save dans pas trop longtemps pour le coup. Histoire d'au moins créer un checkpoint. Ok, c'est le temple. C'est totalement le temple, je crois. Allez. J'ai cru que ça allait pas s'ouvrir, c'est terrible. Ok. Compris. Allez, ça dégage. Très bien, bah vous savez quoi, on va tracer nos grands morts. Je sais dans quelle direction c'est. On va save. On va pas refaire tous les mecs sur notre chemin. On connaît ce chemin. Et on repassera par le raccourci un petit peu plus tard. Parce que je sais que j'avais besoin de gants pour aller tout droit. Regardez bien. Esquive. Incroyable. C'est bon. Eh bien, on est prêts, messieurs. Messieurs, dames. Hop. Petit saut. Une trace du vieil homme. Double saut. Je me demande si les frères de la nuit l'ont eu. Triple saut. Oh là là, c'est un quadruple. Avec moi. Espèce de lâche. Tu ne peux rien contre notre présence. Attends, ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Hop, je suis tombé tout seul, bah ouais. Moi, je t'aide. Quoi? Non. Non, 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 non. Mais non! Je vais me tuer, je m'en branle. Allez hop, c'est bon. Et ça me saoule. C'est bon, hein. Je retombe pas en bas, mon pote. Je préfère te le dire. Hein. Allez! Oh non, je déconne. Je suis obligé d'aller au bout. Voilà! On réapparaît. Oh, terrible. Non, 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 mais je me voyais pas. Parce que ça, ça nous emmenait tout en bas, là où on a été récupérer les gants. D'accord? Alors oui, il y a peut-être un ou deux raccourcis, mais je suis désolé. Ça, non merci. Non merci, parce que ça va me casser les couilles. Je préfère vous le dire. Je vous apprécie, vous m'aimez bien. Mais là, faut pas me prendre pour un con, d'accord? Faut arrêter les conneries. Allez, on est reparti exactement là où nous étions arrêtés. Parce que c'était quand même assez terrible ce qui s'est passé. Et puis cette fois-ci, bah, on va les désinguer, hein, on va pas... Oui, mon frère. Le laissez pas esquiver. Un souci. Ah oh, bah. Les gars, vas-y, hein, faites-le tous. Venez, mes frères. Ton bras à nous. Allez. Voilà, c'est bon. Ça me... commence à me casser les couilles. Hein. Attends, ça là, les gars, en bas, ça mène en enfer. Hein. Je préfère vous le dire. Oh là là. Attends, attends. Je me sens pas bien, BD. Si, je me sens bien, mais... C'est sûrement le tombeau. N'abusons pas des bonnes choses. Nous sommes bientôt face à tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Il y a quoi à droite? On fouille à droite, à gauche. Allez. Vous connaissez... Oh, on a quelque chose ici, non? Ah, 10 contre 1, le tombeau n'est pas ouvert. Si je ne m'abuse.
Si, il est totalement ouvert, incroyable. Attendez, on y va quand même. Ah, mais il est fermé maintenant. Eh ben, j'aurais bien dû aller à gauche, c'est bien ce que je pensais. Attendez. À moins que ça me demande d'aller tout en bas ou tout en haut, ce que je n'utiliserai pas, je reviendrai en arrière. Attends, frérot, t'as paniqué ou quoi? Ok, ça c'est un très bon ami. La quête de l'Astrium nous a menés au tombeau de Cougette. Très bien. Ok, ça réagit au pouvoir de la force. Ah non, c'est un petit écho. Oh, c'est mignon. Quoi que ça puisse être, c'est parti. Ok. On va méditer, en fait, je pense, hein. On va pas se mentir. Très bien. On a assisté à quoi, là, messieurs, dames? J'ai touché une pierre, ça mène à rien. On va aller sur le côté, je pense, hein. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Pour être très franc avec... Oh. What? Ok. Eh bien, Sugoi, j'ai envie de vous dire. Eh ben, vous savez quoi? On va s'arrêter là, non? Ça me paraît pas mal. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer et de commenter. À très bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.